Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du gestionnaire des tâches, qui est un outil livré avec Windows, et de la possibilité d'arrêter un programme. Pour ce faire, vous avez trois manières de l'ouvrir, soit avec la combinaison de clavier touche CTRL plus ALT plus la touche SUPRE, soit par la touche CTRL plus majuscule plus la touche échappe, et vous remarquez déjà que le gestionnaire des tâches apparaît. Sinon, vous avez une autre possibilité encore. Vous cliquez, donc nous allons fermer et vous montrer une autre méthode. Vous effectuez un clic ici un clic droit et vous allez sur gestionnaire des tâches et donc vous pourrez ainsi par l'intermédiaire de la barre des tâches faire apparaître le gestionnaire des tâches. Nous avons ici plusieurs onglets. Allons ici dans Applications et nous voulons arrêter un programme. Généralement, c'est un programme qui a un problème, mais ici, il n'y a pas de problème particulier sur les programmes. Mais pour arrêter un programme, sélectionnez-le pour qu'il soit donc entouré de bleu et cliquez sur fin de tâche. Automatiquement, il disparaît de la liste des applications et il n'apparaît pas dans la barre des tâches. Vous pouvez procéder ainsi pour les programmes qui pourraient donc vous gêner. Une fois fait, vous pouvez fermer le gestionnaire des tâches. La formation est terminée, c'est à vous.